Yo les amis, on se retrouve sur Tomb Raider en compagnie de Florentin 7096. Alors pour vous, c'est une suite que vous avez vue il y a peut-être 2-3 jours, mais pour moi c'est à la suite. Donc parce qu'en fait j'avais pas de point de contrôle, je suis pas sûr qu'il y ait en fait eu un point de contrôle. Donc j'ai préféré, je préfère encore continuer la vidéo. Vous l'aurez en plusieurs parties bien sûr, mais moi je l'aurai en vidéo en plusieurs, vous l'aurez en plusieurs morceaux en fait. Donc elle sera peut-être un peu courte cette vidéo, hein. Je ne sais pas du tout à combien elle va durer, mais vu qu'en temps normal, vu que je pensais qu'en fait j'aurais eu assez de temps de faire jusqu'au temple, parce que j'avais fait un début au temple, mais je pensais que j'ai pas eu assez de temps, donc pas grave. Plateformes qui peuvent m'aider à atteindre le sommet. Je cherche des contrepoids. Donc abonnez-vous, laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Je suis sur Twitch et Facebook, donc bon pour le moment Facebook, je vous le dis pas, mais Twitter c'est. C'est mon pseudo, c'est Florentin 7096, donc allez-y, abonnez-vous et faites, dites-moi si vous voulez aussi, si vous voulez des lives, peut-être que plus tard je ferai des lives. Et pour le moment, je fais juste des petits. Oh merde, j'ai loupé le machin. Attends. Il y a un truc qui brille là-bas. Il y a un truc qui brille. Eh merde, raté. Bon, pas grave. Première mort. Elle durera un peu plus longtemps que la vidéo. Merde. Bon, c'est pas grave. Ah bah, Begum, ils m'ont mis là. C'est pourquoi. Ah, c'est des pièces. C'est... Ah, ils ont fait un clin d'œil pour les pièces d'or. Impeccable. Je suis chaud parce que je me suis vraiment mal mis là, mal positionné comme dirait l'autre. J'ai rien loupé. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, hein, mais les vidéos. Hein, franchement, je regarderai que les commentaires qui sont cool. Les commentaires qui sont bien, et puis peut-être 2-3 trucs. Dites-moi ce que vous voulez dans la chaîne, hein, parce que moi, je vous écouterai. Si vous voulez des jeux en supplément, des trucs comme ça. Après, ça dépendra de moi, hein. Moi, je travaille pour le moment. Donc, je sais pas si je pourrais faire ce que vous me demandez. Pareil, Tomb Raider, hein, parce que je peux le faire parce que voilà, j'ai le temps, je peux le faire.
Mais peut-être que plus tard, je pourrais pas le faire, quoi. Donc, je dois trouver un moyen de détruire ces débris. Back. Ah oui, alors vous voyez peut-être beaucoup que je suis en train d'essayer de voir s'il n'y a pas des trucs qui me manquent ou des trucs comme ça. Le truc, c'est que j'ai pas envie de les louper pour le moment. Donc, parce que bon, quand on est obligé de revenir à un point de départ, bon, c'est vrai qu'après on peut recommencer le jeu à zéro, machin, c'est toujours pas mal. Mais pour le moment, si je peux le faire complètement avec vous. Ce serait quand même un truc qui serait cool. Donc Jonah. Oui, je suis là. Jonah, il y a une fresque ici. On voit une boîte. L'inscription dit la boîte d'argent d'Ishel. C'est sûrement ça dans la cité perdue. C'est une légende maya. Elle dit que la boîte invoquera le dieu Kukulkan. Le dieu de la création. C'est ça que cherchent les dignitaires. Attends, c'est pas fini. On dirait une série de cataclysmes. Un tsunami. Une tempête. Un séisme. L'éruption d'un volcan. Sympa, le dieu de la création. Oui, mais chez les Mayas, Kukulkan est le dieu de la création et de la destruction. On dirait la constellation de l'Hydra. Et les étoiles ont l'air mal alignées. Alors, cette partie, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. La manette, comme vous voyez, elle est là. Je fais rien du tout, c'est la vidéo qui. C'est le jeu qui fait. Jonah, j'ai trouvé une dague. Alors, bien sûr, on est sur PS4. Hein. Si je ne l'ai pas dit sur la première vidéo, je vous le dis tout de suite parce que. Peut-être que beaucoup de personnes le prendront sur Xbox. Mais franchement, il est sur PS4, il est bien. Après, je sais pas, je le prendrai pas en double voilà, sur Xbox One. Parce que vu que j'ai la Xbox One et la PS4, où je fais des vidéos tous les deux, donc voilà. Bien sûr, alors, pour le moment, je fais des vidéos sur ce jeu-là. Il y aura aussi des vidéos sur Fallout 74 qui va sortir dans pas longtemps normalement. Dans pas longtemps, donc je verrai. Yeah.
Dis-moi ce que je te dis. C'est que la pluie va noyer. Tu crois que je fais quoi, bordel? J'installe justement la pompe à eau. Bon. On va faire en sorte que tout se déroule correctement. Pas de soucis. Comment ça se passe avec la pompe? J'ai fait de la merde. Ah d'accord. Ok. Ah oh, c'est une flèche par une... Ah non. J'étais en train de me dire une flèche par une flèche. On n'aurait pas fait grand chose. Un peu plus loin ce soir. Ah, bien. Parce qu'imagine qu'un flic kamikaze balance une grenade par-dessus et qu'elle atterrisse au milieu. Ils sont où, ces renforts? Elle ne tiendra pas cette porte sans eux. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Trop de pression, peut-être. Ouais, sans doute. Bon, on fait quoi? On s'assoit et on attend? Ouais. Fais chier. On n'a vraiment pas le temps pour ces conneries. On devait sécuriser le mur. Déchargé. À chaque fois que je viens au Mexique. Je vais vous faire des coups de feu.
posturer. J'ai jamais aidé les hélicos. Ok, d'accord. Oh bah oui. Sans la faiblesse, la cruauté, et bien sûr sans tout cela, mais sans la boîte. L'apocalypse, la mort du soleil. Vous mentez. Lara, vous l'avez senti en prenant la clé.
Mais en prenant la clé, vous avez déclenché l'apocalypse. Vous rendez-vous compte du tragique de la situation. L'épuration commence. C'est à moi qu'il incombe de l'arrêter avant qu'elle ne consume. Ah oui, c'est pas un petit tsunami. Facile à contrôler, hein. Vous avez juste à aller faire gauche-droite, franchement. Il y a là la porte, il y a là la fenêtre. Oh, il y a un mur qui tombe. Ah oui, quel con de s'appuyer sur ça aussi. Je crois pas qu'on puisse. Oh, il a l'air d'avoir rien. Prends une respiration. Oh merde, j'ai pris trop de temps pour partir. Désolé. Merde. Alors pour ceux qui ont joué à Tomb Raider, l'autre,
Alors, je sais pas si je pouvais le sauver ou quoi. J'ai pas réussi. La... Je crois même que. Ah merde. Ah, d'accord, ça a bugué. Hein. La poutre a bugué. On va essayer. Hein. Je sais pas du tout. Je vais essayer de prendre de la vitesse. Donc pour moi, je trouve que de l'ancien Tomb Raider... Ah non, on peut pas. Franchement, on peut pas. J'ai essayé de sauter, j'ai essayé de faire le maximum. Mais non, on peut pas l'aider. Et ça, c'est vraiment bête parce que voilà, ça aurait pu faire qu'on puisse l'aider ou quoi que ce soit. Et on va se quitter là, après qu'on ait revu la cinématique avec l'avion. C'est là qu'on se quittera. Donc normalement, la vidéo sera en deux parties. Hein, donc la première sera sortie normalement demain. Où je verrai, je posterai peut-être les deux en même temps. Et je verrai bien comment ça se déroule. Donc voilà. Dominguez, il a la dague. Je l'ai perdu. Après tout ce que mon père a dû endurer, j'ai donné au Trinitaire exactement ce qu'il voulait. Il utilisera la boîte et la dague pour recréer le monde. Le recréer comment? Je sais pas, il veut faire disparaître le péché, la faiblesse. Un homme comme lui, on doit l'arrêter. C'est ma faute. Ok, on s'en chargera, d'accord? Je te le promets. Non. On doit atteindre la cité perdue à Moïse, il faut qu'on trouve la boîte d'argent. D'accord. Mais d'abord, on va s'occuper de ces gens et les mettre à l'abri. Lui, on cherchera la boîte. Mais personne ne sera à l'abri. Pas s'il trouve la boîte avant. Je dois y aller, je suis la seule à pouvoir faire quelque chose. La seule à pouvoir faire quoi? Pourquoi ce serait ta faute, Lara? Arrête de penser que le monde tourne autour de toi. Ces gens ont besoin de nous ici. On peut être utile. Et puis, qu'est-ce qu'on a, hein? Il va nous falloir bien plus qu'un poisson rose et une couronne d'argent pour trouver la cité perdue. Bah moi, ce que j'ai à dire, c'est que ça démarre sur les chapeaux de roue. Hein. Donc, voilà. Bon, bah moi, je vous dis ciao. Je vous laisse la fin jusqu'à l'avion qui se casse en deux. Et on se retrouvera plus tard. Donc, abonnez-vous. Prochaine vidéo demain. Et donc, on sera vendredi. Ou sinon, passez une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui regarderont en journée. Et bonne continuation à vous. C'était Florentin à 7096. Et laissez un pouce bleu surtout, hein. Et abonnez-vous. Qu'est-ce que c'est que ces jumelles? Cette tempête me dit rien qui vaille. C'est juste une grosse averse. On va se concentrer sur la montagne nuageuse. Une montagne nuageuse. Même si on trouve, comment on saura que c'est la bonne? T'as une idée? C'est notre seul indice. L'inscription prédit plein d'autres catastrophes. La meilleure façon de les aider, c'est d'arrêter tout ça et les Trinitaires. Ok.
on peut être sûr. Jonah, ce que j'ai ressenti quand j'ai pris la dague. Tu veux dire les secousses du tsunami? Plus que ça. C'est comme si quelque chose s'était réveillé. Je sais bien que ça paraît absurde. Je sais que c'est difficile à croire, mais tu dois me faire confiance. La confiance est dans les deux sens. Ciao les amis!